Hey, c'est Léo. Bonjour pour l'épisode 8. Si je ne... Non, 9, 9, 9, 9, voilà, 9 de Kingdom Hearts 3. Donc là, on voit la grosse bulle noire, ce qui ressemble fortement à un boss. Donc j'ai décidé de tester quelque chose, parce que j'ai remarqué que les dégâts, ils étaient très peu présents. Voilà, ça choque personne. Parce que moi, normalement, j'aime bien celle-là, mais celle-là a une transformation de merde. Et ça prend beaucoup de temps, c'est chiant, voilà. Donc j'ai décidé d'améliorer celle-là. Parce que j'ai vu que ça utilise de la fluorine. Or, la fluorine, ça se trouve dans les météorites, dans le vaisseau du Mii. Donc on peut allègrement améliorer celle-là. Et puis comme ça, elle sera au taquet, voilà. Oh! Oh mince! Acide Damas. Bon bah ça doit être quelque chose d'encore plus rare et que j'ai pas. Mais bon, maintenant les dégâts sont un peu plus présents, on peut voir qu'elle a fait 6 dégâts, ce qui est un peu plus que celle de l'Olympe. Donc voilà, c'est à peu près comme si on utilisait celle de l'Olympe, sauf qu'elle a une meilleure transformation. Aussi, également, comme cela ressemble à un boss, on va essayer d'utiliser de la cuisine. Donc comme je sais pas si c'est des trucs famous, on va juste utiliser les trucs qu'on a en deux. Voilà ça. Voilà, allez. Bon, je repars parce que ça augmente les stats et puis c'est cool d'augmenter les stats. Oh, mince, c'est quoi ça? Continuer sans sauvegarder, oui. Voilà. Maintenant, pendant 23 minutes, on sera un peu plus pété. Allez, continuons. It looked like this? Yep. Here goes. Du coup, là, on est... Xehanort! What do you want with my friend? Look, such tremendous darkness. All because he was ripped away from the boy who cares about him most. Does that mean we'll all be like Buzz? If we don't find Andy? Wrong! Distance doesn't matter. Andy's part of their hearts, just like my friends are part of mine. You can't rip that apart. Huh. What? Your friends are your power? How very true. But if the light of friendship is a form of power, the darkness of being alone is a power even greater. Darkness is the heart's true nature. Whatever you're talking about, I don't care. Put Buzz back the way he was, then get lost. Or else what, toy? Yeah, I am a toy. And a friend. My guess is no one's ever loved you before. Because you know nothing about hearts and love. There are hearts all around us, trying to connect. Your loneliness only made Woody and Buzz's connection stronger. That's the heart's true nature, to never ever let go. Wherever they are, Andy and the other toys haven't let go either. Yeah, you can't keep us from Andy. We're going home no matter what. And taking Buzz. Xehanort, you're so caught up in finding the shadows, you forgot about the light that cast them. No. Yeah.
Woody! Now! Giddy up, partner! We gotta get this wagon train a-moving! Woody. Wait, how did I get here? Oh, I don't know. Maybe somebody switched you into dark and stormy mode. But I don't have a... Thank you, Woody. Good to have you back, Buzz. Hey, hurry up! Huh? We can't hold him much longer! Don't give up, guys! So, even empty puppets can be given strong hearts. I'm going to have to remember that. Remember this. Our hearts will always be connected to Andy's. No matter what you do. And that's something you'll never understand. Because you're hollower than any toy. But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing. For that, let me give you a parting gift to play with. Wait! Find the heart's joint to yours. Huh? There! Careful! Whoa! Here goes! Par contre, on voit toujours que Xehanort est dirigé un peu droit dans l'ombre, hein, voilà. Ah, sinon c'est cool, hein, on a récupéré Buzz. Maintenant on a un boss qui doit barre roll. Ah, allez, ouf. C'est bon, on lui a retiré une barre de vie. Allez, on lui marave le crâne comme ça. Est-ce qu'on se déplace avec l'objet ou... Je sais pas. Ah mince. Après je voulais juste sauter sur lui mais... C'est pas mauvais sinon. Oh mais... Il les a ignorés là. Il est où? Oh. Ah j'ai vu ça. En fait j'essaie de sauter sur lui mais j'y arrive pas trop. Allez hop. Allez foudre. J'ai touché une fois. Ah seconde forme. Hop là ces PV ils vont fondre là. Ouf. Faudrait que je pars un peu plus. Allez hop. Et on la killonne un peu. Voilà, allez. Vas-y, ça fait pas si mal que ça en fait. Allez hop, seconde forme. Ouf. Hop. Ah là, on se laisse pas avoir, hein. Ou pas. Ah ben, on n'a pas réussi. Quelque part à l'aveugle, c'est un peu dur. Elle est trop facile. Peut-être j'ai un peu trop pexé. Je sais pas. Je suis niveau combien, en vrai? Parce que je fais beaucoup de fois le tour du monde. En même temps, il est grand. Cinématique encore. En vrai, j'ai l'impression de regarder un dessin animé avec des combats au milieu. Ouais, c'est cool. Attends, charge. So Xehanort got away again.
Yeah, he's a big chicken. I'm sorry. What? Hmm? I wanted to get you back to the real world. It does seem that we're trapped here. We'll never get home. Yeah, stuck like pigs. Our position appears fixed. Oh no! A shame we'll have to stay a little longer. With our new best friends. Well, after all the adventures we've had, we're not quite ready to say so long. You guys... I'm sorry that I was being so stubborn. Please forgive me. Hey, you were just looking out for your friends. No biggie. Yeah, somebody's gotta be the sensible one. Huh? Especially since Woody's always getting in trouble. Gorsh, that sounds a little like Sora, don't it? Huh? Yeah, and I'm the dependable one. Like Buzz. Kinda. Besides, if we do go back to the real world, we'll never see you again, right? Oh. But what about Andy? You care about him so much. Oh. And he's still right here with us. Oh. If we follow our hearts, we'll find him again. Yeah. So, Sora, are you going after the guy in the black coat? Something tells me we can't join you on that mission. That's okay, because you become part of our hearts. Oh. So let us become a part of yours. Thank you. Now, off you go. To infinity and beyond! Allez, la vérité, je suis pas peu fier d'avoir fini ce monde, dont l'univers est beaucoup trop grand pour les petites jambes de robots. Enfin, de poupées, robots, figurines. Oh, qui belle ta story. J'aurais dû y penser avant d'améliorer la qui belle normale, parce que... Genre, s'il se trouve que celle-là, elle est bien, ben, je voudrais améliorer pour rien. Ça serait ballot. Oh, direct Gumi. Oh, direct cinématique, dis donc. En vrai, mon vaisseau est beaucoup plus... Sora, what about the power of writing? You had to remind me? Well, Gorsh, we just want to help keep you motivated. I was thinking about Roxas. He's trapped here in my heart. But he needs a body to be himself again. Well, don't worry. Yenzo's working on a way to get him free. I'll bet you he's got the perfect body all lined up. You've got the gummy phone, Sora. Why don't you try giving him a call? I guess so. Yeah, why not? Sora? Your Majesty! Hey, what? Wrong number? No. Riku and I are visiting Radiant Garden. Actually, we were just about to call you guys, but it looks like you beat us to the punch. Sora, is something wrong? I wanted to pick your brain. In order for us to recomplete Roxas, he needs a body, right?
Yeah, to put his heart in. Mickey, il a fait une de ses teutés. Ah bah, c'est encore si. Oh, replicas. Huh? Well, replicas are basically human. Oh, what? Oh, yeah. You wouldn't remember. The previous Organization 13 developed replicas, realistic vessels to place hearts in. They're so real, in fact, that you'd actually mistake them for people. And with hearts, the replicas will become people. Cool. But if we get our hands on a replica, will Roxas look like himself when he's recompleted? Yep. The replica takes the form of the heart inside it. That's perfect! I'll talk to Ienzo. He was in the organization back then, so he might know more. Great. Thanks. Wait. Do you guys think they're after replicas too? Nope, they definitely said a black box. Who's that? The organization and Maleficent. Oh, oh. I guess we forgot to mention it. Huh. It's okay. But there's something you guys should know about one of their members. Huh? So let the rest of us worry about Roxas and Naminé for now. You journey on and keep an eye out for Terra. Yes, Your Majesty! Stop that! They don't change, do they? Nope, that's their best quality. Well, we gave Merlin the vestments for Kyrie and Axel. Let's go stop by Ansem the Wise's study. Right. C'est vrai, ils s'en battent tellement les couilles, genre, ouais, il y a des réplicants que on lui met un cœur dedans et tout. Ouais, cool. Rien à battre. Où est-ce qu'on en trouve? Bon, allez, maintenant on va dans mon Disney préféré, hein, bien sûr. Allez, allons dans réponse. Voulez-vous placer une balise? Non. Ah, oui, non, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Rejoindre. Voulez-vous placer une balise? Oui. Ah, ben voilà, parfait. On y va avec le double canaillou. Eh ouais, là, des canaillous. Le double canaillou. D'ailleurs, je l'ai même pimpé. Maintenant, il fait un peu plus mal. C'est-à-dire qu'il a un gun caché dans son ventre. Et ça, c'est caché. Allons-y. D'ailleurs, j'ai pas pris mon vaisseau qui va méga vite. Uniquement parce que y a des chances pour qu'on arrive à croiser un boss. Du coup, là, j'ai pris mon vaisseau classique. Ah oui, aussi pendant les épisodes, alors entre les épisodes j'ai pas chômé, c'est à dire que j'ai récupéré tous les plans de vaisseau, donc j'ai débloqué un plan de vaisseau qui s'appelle Vega, qui est beaucoup trop coûteux pour que j'utilise, mais bon à part ça c'est cool. J'ai créé deux vaisseaux aussi, un que j'ai appelé Bertha et que bien entendu il fait plein de dégâts, parce que c'est la grosse Bertha. Et le turbo je crois. Qui est simplement un espèce de gros bloc où j'ai mis tous les moteurs possibles que j'avais. Mais bon, au moins il va vite. Hein. Ah, pour aller vite, il va vite. Il fait juste aucun dégât. Allez, allons dans ce petit tunnel bleu. Voilà, on récupère un peu ça quand même. Ouais, allez hop. Ah. Allez, allons-y. Le chargement, on adore, on aime, c'est le meilleur, le chargement. J'ai l'impression que la barre, elle avance pas, ça... Attends,
Non, elle avance pas. Ah voilà, elle avance un peu. Bon, au moins l'avantage c'est qu'il y a un chargement, puis après on n'a plus jusqu'à la prochaine cinématique. Donc j'espère qu'il n'y en a plus beaucoup. Why can't I go outside? The outside world is a dangerous place. You must stay here where you're safe. Do you understand, Flower? Those lights appear every year on my birthday. Only on my birthday. And I can't help but feel like they're meant for me. I need to see them, and not just from my window, in person. I have to know what they are. Là, tu prends une photo, t'as 5 constellations. En espérant que l'univers soit moins grand que celui de Toy Story. Hein. Non, mais obligé, il est grand. Obligé. It sure is a pretty day. Yeah, the weather is great. It'd be perfect for a picnic. Why do you think we came here? Got me, Donald. We'll figure it out as we go. Okay. I'm sure we were brought to this world for some good reason. But can't we sweat it later? Fine with me, as long as there's no harvest. Make way! Make way! Make way! Huh? Heartless! You see? Soon as you mention them, they show up. There goes our picnic. I didn't do it. It's okay. Let's send these guys packing. Say, since you three seem to know what you're doing, mind if I leave this one to you? Yep. We'll take care of them. Go on, skedaddle. You have my thanks. Whew. The horse was enough. Don't need any monsters on my trail. What was enough? Oh, nothing. Nothing. Name's Flynn, Flynn Rider. Oh, watch out. They look mad. Out of here! Alors, récupérons le coffre. Non! Non! C'est horrible de faire ça! Ils ont pas le droit! Bon, je suis de récupérer un coffre. Ah, où est-ce que je l'ai mis? Ouais, voilà, foudre. Parce que oui, j'ai récupéré foudre à un moment. Donc. J'utilise pas beaucoup, mais bon. Oh, des. Comment ça s'appelle? Tout du type vent. C'est la première fois qu'on en voit là. Ah,
Allez hop. On débloque Rafale. Si je me trompe pas, c'est un bouclier, c'est pas mal. Where'd Flynn go? Je peux avoir de raccourci à... pour ça, moi. C'est compliqué là. I think I saw him go that way. Huh? But that way is just a dead end. Yeah, that's puzzling. Well, did he? I say we investigate. Allez hop, récupérons ce coffre. Alors, juste avant de faire autre chose, je vais mettre Rafale parce que Rafale j'aime bien. Oh, on va se mettre ça aussi. Voilà, on va juste mettre Rafale parce que Rafale, de mémoire c'est bien. À la place de brasier, on va mettre foudre. À la place de foudre, on va mettre Rafale. Ouais, allez. Donc on va regarder ce qu'il y a un peu par là-bas. La musique elle est cool en tout cas. Et normalement les coffres ils sont voyants. Ils sont tôt violets là. Ça... Le monde des verts quoi. Oh les petits papillons. Oh le laurier. Je commence à avoir faim. Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il y a eu deux lauriers? Je n'en sais rien. Hop. Regarde vite fait un peu partout. Oh, par là-bas, ça ressemble à une suite. On va pas y aller dessus de suite. Ah ben, en fait, non. C'est la cachette, à moins bien cachée que j'ai vue. Well, at least he got away safe. Right? Ah mais c'est un bouffon lui. Hey, now Sora's gone too. This way, guys. Non, faut arrêter là. Il est bigleux. Non mais là, faut arrêter. C'est trop là. S'il a une seule chose dont je suis sûr, c'est que j'ai raté un coffre. Ou des emblèmes. How you doing? The name's Flynn Rider. How's your day going? Hein? Who else knows my location, Flynn Rider? All right, hang on, Blondie. Rapunzel. Gesundheit. Here's the deal. I was in a situation gallivanting through the forest when I stumbled upon a... Oh? Oh, no, no. No, 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 no. Where is my satchel? I've hidden it. Somewhere you'll never find it. So, what do you want with my hair? To cut it? Huh? Sell it? No! Wait. You don't want my hair? Why on earth would I want your hair? Look, I was being chased. I saw a tower. I climbed it. Okay? End of story. Hmm? Huh? Okay, Lynn Rider. I'm prepared to offer you a deal. A deal? Look this way. Do you know what these are? You mean the lantern thing they do for the princess? Lanterns? I knew they weren't stars. Well, tomorrow evening, they will light the night sky with these lanterns. You will act as my guide, take me to these lanterns, and return me home safely. Then, and only then,
will I return your satchel to you. That is my deal. Yeah, no can do. Unfortunately, the kingdom and I aren't exactly simpatico at the moment, so I won't be taking you anywhere. Something brought you here, Flynn Rider. Call it what you will, fate, destiny. So I have made the decision to trust you. A horrible decision, really. I am serious. Oh! Let me get this straight. I take you to see the lanterns, bring you back home, then you give me back my satchel? I promise. And when I promise something, I never, ever break that promise. Ever. Oh, what to do? I cannot let her find that tiara. Okay, just think. I need the satchel, and Blondie has it. There might be more monsters out there. I've got it! The three guys in the funny outfits! They look tough enough to come in handy. All right, fine. I'll take you. But on one condition. Je veux pas être méchant, mais là, ça commence à être méchant. Come along. Ouf. Ah, je dis ouf. Look at that. A tower. Let's check it out. Qui ne marche pas, ça devient un dessin animé interactif. Hein. On va quand même chercher viteuf des coffres. Hein. Oh. Là, on ignore un peu les combats. Hein. Oh, c'est clair. Non, mince. Ok, d'accord. C'était juste pour voir c'était quoi, Raphaël. Ouais, non, on peut plus y aller. La musique, elle semble... Oh, mais... Oh, je me fais bolosser par le moteur du jeu, là. Faut arrêter. Donc je vais à la tour du milieu, mais juste avant, je ferme un tour. Oh. 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 Mais la vidéo ferait pas 30 minutes. C'est le moment de sauvegarder, dis donc. Ah. Donc voilà un épisode plein de cinématiques et... De cinématiques, hein. Mais bon. Point de sauvegarde, donc la fin. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode.